Ou Mathieu encore pour le tempête, ça veut dire. Bon, c'est le football, ça tout peut arriver. On pense que nous, en tant que dirigeants qui ont expérience, nous habitués à la situation. D'ailleurs, lors des tempêtes et puis pour commencer un championnat qui a fait ça et de la caillou. On commence avec une défaite. Vous comprenez toute quantité de pression qui sont fanatiques, qui sont dirigeants, qui sont joueurs. Et je pense que nous avons quatre pressions, ça a toujours. Mais ma diodie, je pense que il y a plus d'amélioration. Contrairement avec quatre premiers matchs que tu as fait jouer, quand tu n'as pas de cas créer occasion et que tu n'as pas de cas dans le goal. Jodie, je pense que les joueurs ont un très bon niveau. C'est la première période là. Occasion créée, donc le goal n'est pas fait. Finalement, on est arrivé à marquer un goal. Et Devin Bounou, pendant que nous parlons de pause première période là, donc il y a un erreur au niveau de la défense là, permet à l'équipe cosmopolite à égaliser. On est une longue équipe, besoin de points, la mener. Et puis, dans l'extra temps première période, ils ont rejoint nous parce qu'ils étaient marqués. Vous comprenez que psychologiquement, qui ça, ça a engendré. En début de tout, deuxième mi-temps, il n'est pas trop mal tout. Nous avons une équipe tempête très entreprenante. Mais qui était joué de la malchance parce qu'il y a encore occasion de créer et que le ballon n'est pas arrivé à entrer dans le goal. Donc, je pense que le match d'aujourd'hui, c'est vrai, son match nul. Mais il permet à ce que Tempête marque pour la première fois pendant 5 matchs, on voit dans la compétition, parce qu'on a fait 4 matchs, on n'a pas marqué. Aujourd'hui, on a marqué, je pense que c'est son premier défi. Nous avons une très bonne équipe, nous avons une jeune équipe. Nous pensons que le match que nous avons gagné face à l'adversaire, donc c'est Baltimore, nous avons une équipe qui est censée être beaucoup plus près, parce que l'équipe a gagné plus d'espoir. Et nous pensons que tout le monde a des infos, tous les journalistes qui étaient là, nous sentons que l'équipe allait évoluer mieux, surtout avec Roberto qui a intégré l'équipe là, et puis nous avons dit nous, Niesto. Donc ça n'est pas trop mal. Donc nous encore espérer parce qu'il y a encore 9 points qui étaient. Donc tout n'est pas encore perdu. Donc on a continué à préparer pour encore espérer à une place qualificative. Et on a 2 places qualificatives. Est-ce que nous identifions exactement le problème? Bon, en termes d'identification, problème, est-ce que nous avons parlé de problème. Moi-même, personnellement, je ne peux pas parler de problème. D'ailleurs, nous avons un championnat, nous avons un championnat spécial. Côté championnat, fait 2 ans et demi, nous avons joué. Et nous comprenons que dans quel état que nous avons joué. Et puis, nous avons une jeune équipe, tout. Parce que nous avons un pile jeune qui est une équipe là. Donc, ça, pour un petit temps, pour mayonnaise là, il prend. Et Mathieu dit qu'il y a un peu d'espoir. Donc ça, que jusqu'à présent, moi, je ne peux pas parler de crise, je ne peux pas parler de problème. C'est que le résultat n'est pas qu'on a fini. Prochaine adversaire qui se prend le Baltimore, c'est Derby. Vous comptez à venir du Derby, Tempête et Baltimore. Est-ce que nous espérons une qualification équipe Tempête là? Bon, Tempête Baltimore, toujours été en plan de résistance. D'ailleurs, nous avons le premier match, le premier Derby. Hein. Et Tempête pas trop évolué trop bien, Tempête pas cherché l'équipe. Mais quand même, Tempête est fou nul. Parce que l'équipe que nous avons après-midi là, et je pense qu'il y a un peu d'espoir. Et moi, regardez le match, moi, pas dans le premier et dernier. Et moi, regardez le match, je pense qu'il y a un peu d'espoir. Et pour tout fanatique, Tempête qui a regardé nous, qui a attendu nous, je pense que le match Tempête Baltimore là, c'est nous qui avons recevoir. Donc, ils ont assuré que le jeu Tempête commence à organiser, à produire du football. Donc, Tempête a évolué parfaitement bien. Ma Tempête Baltimore, on ne peut pas dire que au Balkan de Baltimore. Donc, on ne peut pas dire Baltimore, Balkan, il y a ton derby. Avec tout le respect que nous avons pour le derby, je pense que les fanatiques ont un bon spectacle, tenant compte encore de l'espoir que nous avons par rapport à match que Tempête a joué. D'accord. Merci à vous.